c'était Manuel. Salut à tous. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo, bon, ça existe. On va vous montrer des annonces. Des annonces du Bon Coin, donc il y en a 20 au total, on réagit, c'est des trucs drôles, donc voilà. Ouais, la bouillotte testicule. Il y a la bouillotte testicule. Jeu grenouille et deux Lego boniches. Ouais, donc c'est des bionicles quoi. Et jeu grenouille, c'est pas des grenouilles. C'est pas des grenouilles. Mis en ligne par Valérie. En 2014. Valérie, si tu nous regardes. C'est des bionicles. Je bionicle. Comprends pas le jeu grenouille en fait. Bah, je pense que. En fait, t'as cru que c'était une grenouille. Ouais, elle s'est dit c'est une grenouille, mais les deux flammes, c'est les boniches. T'as cru que c'était les. Je sais pas. Ah. Ce que je kiffe, c'est pour cacher son visage, il a pris des troncs d'arbres. Le mec, il s'est fait un kiff. Le mec s'est fait un kiff. Pour cacher mon visage, je vais faire un visage avec des bûches. Du coup, ça fait quand même flipper. Le mec, il s'est fait chier parce qu'il a carrément fait le visage. Hein. C'est un sérieux killer. Ouais. Vélo, Jeux Olympiques. 150 euros. Attends, bonjour à tous les passionnés de vélo. Et pour ceux qui raffolent les Jeux Olympiques, je vois un spécial imaginé par mes soins. Ouais, ouais. Et c'est possible, faire off pour les passionnés ou les collectionneurs. Non, bah tu peux pas rouler avec. 150 euros. Bah faire off, tu m'étonnes, mon gars, je t'en donne 10 balles. Mais c'est pas quoi. Des pneus là en plus, c'est juste des cerceaux. C'est des cerceaux. Amplificateur sensible. Port compris. Mais port compris, c'est quoi? C'est genre les frais de port ou ils te déposent? 50 balles ça, non mais t'es sérieux. C'est port le prix. Port. Je sais pas, je sais pas. Il y a deux escalopes. Mais. Grand duc en paix. Oh là là, mon dieu. Ah, on a pas le prix, c'est con. Ah putain, bah non, mais c'est plus un grand duc. C'est un grand duc qui s'est fait bouffer par un chien. Il l'a recraché le chien. Edwige, elle a pris un coup dans la gueule. Hein. Mais c'est moche quoi. Enfin, moi j'achèterais pas ça quoi. Ah bah, on va voir une bestiole empaillée déjà. Deux chevaux, série camouflage. Parcours toute distance sur un plateau idéal, pot de fleurs. Non, mais il a de l'humour lui. Année de modèle, 1968. Ah, elle, kilométrage. Manuel. Bon, ok, Manuel, on est intéressé. Attends, t'as pas son numéro? Manuel. Pourquoi tu l'appelles Manuel? Boîte de vitesse. Twenty minutes later. Le nom du vendeur, c'était Manuel. C'est le pot de vitesse. Mais ah, c'est vraiment son nom, il est là, là-haut, ouais. Vendu par Manuel. Tu crois que pot de vitesse, c'est son nom, peut-être. Ouais, enchanté, Manuel, boîte de vitesse. Non, par mais. Par contre, t'as pas de honte de vendre ça, quoi. Après, en pot de fleurs, ouais. Bah, puis j'aime bien série camouflage. Avant, Becherel tout neuf, jamais servi, tu m'étonnes. Ça m'étonne pas. Hein. Jean Becherel tout neuf, jamais servi. Voilà, bah, 5 euros. Ouais. Jamais. C'est même pas jamais, c'est jamais servi. Et neuf, mais d'où neuf, tu sais, il était bien. Mais moi, le pire, c'est que tu sais, c'est bien marqué. Et tout de U. Becherel, ouais, c'est bien écrit ouais, sur deux dessus, quoi. Ouais. Et l'autre, Becherel. Il aurait pu au moins recopier le nom du bouquin, quoi, quoi. Conjugaison, l'orthographe, la grammaire, bah lui il a pas dû connaître. Hein. 5 euros, après par contre il le vend pas cher. Il le vend pas cher, ouais. Par Renard, c'est comme le truc. Je sais pas si le pire c'est la personne derrière qui tient le. Non, mais c'est comme le truc de tout à l'heure, ça c'est le grand truc. Le truc, il a été écrasé, ils se sont dit, oh bah tiens, on va l'empailler, quoi. 72,5 sur 15 cm. C'est-à-dire que le machin, putain, 72, allez. C'est un sacré renard. Chicha pour voiture allume-cigare. Le mec il s'est fait un barba, il doit brancher sa chicha sur la. Mais c'est surtout que ça a l'air d'être un bon bourge le mec, hein, parce que quand tu vois la marque de la voiture et la voiture, l'intérieur de la voiture. Ouais. Oh mais c'est quand même particulier. Hein. Partenaire particulier. La chanson. Cherche partenaire particulier. Oh piano Roland HP800, 100 euros. Oh piano Roland Digital HP800, clavier démonté mais complet pour. Pour pièces ou à remettre en état, problème de contacteur. Non mais attends, je veux bien que tu vendes un piano, ça. Machin, mais une photo potable, là, qui a envie d'acheter ça? Bon, soit le mec, il a été honnête, quoi, il se dit, je vais mettre les vraies touches, quoi, enfin, les vraies ouais, après, les photos, il essaye pas de bouger, hein, mais bon. Mais, j'aimerais bien que Roland nous dise, non, je rigole. Costume, c'était même petit. 20 euros, putain la vache. Bonjour, il y a un peu, j'ai confectionné ce costume de 7 LM. Il n'a été porté qu'une après-midi et a fait sensation.
Il n'est pas abîmé, je le vends avec des post-it non utilisés. Le prix reste encore à déterminer. Oh. Putain, mais comment il a pu avoir l'idée de dire, allez, aujourd'hui, putain, je fais le costume de cet élève. En fait, tu vends juste, t'achètes des post-it, ouais, tu les vends, puis voilà. Tu les mets sur un t-shirt blanc, parce que lui, c'est ce qu'il a fait en soi, c'est un t-shirt blanc. Ouais. Mais 20 euros quand même, pour, alors qu'il paye les post-it 20 euros, ça se trouve, il en a eu plus cher de post-it. Il en a eu pour plus cher de post-it. Avion fabriqué à la main en rouleau de papier cul. Ah oui. On dit papier toilette. Mec, il dit, ok. Envoyez-moi un mail et moi, si vous voulez, dites-moi si vous voulez négocier. C'est pas dites-moi, c'est dites-moi. Enfin, déjà, tu dis pas papier cul dans une annonce que tu veux vendre ton truc. Alors déjà, en plus, rouleau, voilà quoi. Moi, papier, il a bien écrit papier. Il a pas mis un E. Il a bien écrit cul. Distributeur de préservatifs. Donc, il y a un mec qui a volé le distributeur. Ceci est une annonce de professionnel. Okay. Ah d'accord. 150 euros. Sortez couvert. On passe un message en vidéo. Quand vous sortez, sortez couvert. Vous ne mettez pas que votre bonnet, vous mettez aussi la capotasse. La capotasse. Hein, on se protège les enfants, voilà. 150 euros, ça dépend si les préservatifs le fournit dedans. Cherche une petite amie. D'accord. Donc le mec, attends, je m'appelle Pipo. Je suis un bichon croisé caniche très doux. Ah, oh, c'est le chien. Je cherche petit chien Macron, ça. Coquine Pipo. Pardon. Alors. Attends, je cherche petite copine pour sailler. C'est-à-dire pour baiser. Qui met une annonce pour son chien pour qu'elle ait. Il y en a plein. Voiture barbecue très atypique. Oh, c'est trop bien fait. Ouais, après très atypique. C'est carrément. Alors attends, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, les photos sur le côté, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit, Manuel? Ah, par contre, il ose mettre genre kilométrage et tout. Bah non, tu mets pas ça, c'est au pire, tu vends ça pour un. Bonjour, c'est avec regret, mais faute de place, déménage pro, que je vends mon Ford Escort barbecue. Il est très atypique, mais très pratique, surtout en cas de débarquement d'amis affamés. Il possède une carte grise, je le vends 250 euros à débattre. Bah, c'est original, mais c'est ouais. Un putain de délire quand même. Bah, comment tu fais pour enlever les cendres après? C'est bien fait en soi. Après, quoi. Je pense que pour un mec fan de bagnole, avoir un barbecue voiture, ça peut être typique. Airbag, très bon état. Je vends cet airbag en très bon état, prévenant. Non, non, Brian 3, jamais servi, cause d'essai. Jamais servi, dire, cause d'essai. J'aime bien cause d'essai, jamais servi. C'est-à-dire que le truc, en fait, il déconne de base. Le truc, il a Il y a eu un accident, la personne est morte. Il a pas servi, quoi. Il s'est pas activé, donc c'est. Oh, oh mon dieu. Puis jamais un airbag jamais servi, bah c'est un peu logique parce que vraiment quand ton airbag est servi, il faut le remplacer. Ouais. Faut le changer. Donc. Ouais. Ouais donc, mais du coup il a pas servi et du coup la personne est morte. Super. Super, sympathique. Et le mec il fait de la thune sur. Sur le dos de la personne. Oh putain, c'est quoi ça? Vend masque de chien en plastique en très bon état, déguisement pour adulte. Oh. Ouais, c'est pour faire des jeux un peu. Ah non, mais là, c'est. Tu te demandes ce qu'il fait. Déjà, pourquoi il est tout nu? Il aurait pu mettre un t-shirt, tu vois. Là, je pense qu'il est en plein truc délire chelou. Hein. Ah, ouais, je suis ton chien. C'est ça. Oh, t'as volé mes croquettes, Willem. Déguisement vache taille 42 qui en dit. Je sais pas si. Il parle du masque ou de la personne en elle-même, c'est ça qui est horrible. Déguisement de vache, t-shirt, tablier, masque, caleçon et un chapeau. 15 euros. Bah après c'est pas très cher en fait. C'est quoi le truc rose autour? T'es censé être. C'est les mamelles, hein. Mais juste le déguisement, pas la personne avec, c'est horrible. Quoi. Mais déjà qui irait acheter un déguisement vache? Mec. Chérie, je dois te trouver les costumes. Alors moi j'ai un costume. On va faire un putain de scénar, l'amour est dans le pré, je suis la vache et toi t'es l'agriculteur. Moi je fais le fermier et puis toi tu vas faire la vache. Ok, c'est parti. C'est maladroit parce que il met, ça se trouve c'est ça. Avec l'autre costume, l'autre costume d'avant, c'était peut-être un truc. Hein. Ah ouais, ça se trouve c'est le même. C'était le. Oui, je crois, le 4, je crois. Le 11. Ouh, les dates se collent, les dates se suivent. Déguisement neuf, rhinocéros pour petit chien. Alors moi, vous m'expliquez un truc, c'est un rhinocéros, censé avoir une corne. Elle est où la corne? Parce qu'au pire, moi, je vois un hippopotame. Mais oui, c'est un hippopotame. Mais ben oui, c'est totalement un hippopotame. Tu mets où le chien dedans? Bah, la tête, elle ressort là, non? Ouais, tu vois, la bouche. Oh, putain, je mettrais jamais ça à mon chien, quoi. Par respect pour mon chien et pour moi-même, quoi. On a bien rigolé quand même, hein. Surtout avec mon manuel. Bon, donc la vidéo. C'est vrai qu'en fait, c'est pas les trucs qui nous ont fait rire, c'est toi, c'est vrai, ouais. C'est vrai. On espère que la vidéo vous a plu. Mettez le petit like, le commentaire, partagez la vidéo si vous avez aimé. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Venez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Faut nous faire changer la coupe de Goku. Vous nous dites en commentaire si vous avez aimé, si vous voulez une suite, parce qu'on peut le faire, ça c'est sûr. Puis bah, comme dirait l'autre, à vous les studios.